Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un tout petit espace. C'est un square qui est fermé au public et qui est cerné par des grilles et qui habille un mur pignon qui forme l'angle de deux rues, la rue de la Bûcherie et la rue Frédéric-Sauton dans le 5e arrondissement. Et de ce carrefour, on voit Notre-Dame de l'autre côté de la Seine. Or, ce petit square est dans un état de délabrement avancé. Il n'y a pratiquement plus de plantations et ce qui reste est tout à fait pitoyable. En revanche, la terre de ce square est labourée par la présence de très nombreux rats et notamment de trous et de galeries que ces rats font. Et dès 18-19 heures, on les voit traverser et se réfugier dans ce square. Et donc, notre demande, sachant que la ville de Paris est particulièrement attentive aux espaces verts et également à la propreté, nous souhaiterions qu'une opération de réhabilitation de ce square, le square estif de la Bretonne, soit entreprise au plus vite. Et si tel était le cas prochainement, que ce projet d'embellissement, nous puissions en avoir les informations et les plans de façon à ce qu'ils soient communiqués aux élus du Conseil de Paris et notamment du Conseil d'arrondissement du 5e. Et que, si possible, le planning de ces opérations réalisées toutes ces dernières années pour l'entretien de ce square soit également rendu public et communiqué aux élus. Je vous remercie.